Le Parti ouvrier indépendant démocratique a appelé à cette manifestation, comme il appelle et comme il appellera à toutes les manifestations pour que cessent les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, pour que cesse cette intervention militaire et pour que le blocus soit levé. Nous avons manifesté contre le sionisme qui depuis 75 ans opprime le peuple palestinien. Nous avons manifesté contre l'impérialisme sans lequel cette oppression contre le peuple palestinien ne serait pas possible. Nous avons manifesté contre Netanyahou, mais aussi contre Biden, contre Macron. Tout cela qui parle du droit des Juifs à pouvoir vivre librement oublie que la lutte contre le racisme ne se divise pas. Le sionisme est une forme de racisme. On ne peut combattre l'antisémitisme pendant le même temps en France. On adopte des mesures de discrimination contre les travailleurs immigrés. On ne peut combattre le racisme quand on soutient un régime comme celui d'Israël, qui est un régime d'apartheid. À ceux qui, demain, prétendent manifester contre l'antisémitisme, les travailleurs et les jeunes sont en droit de dire que la seule manifestation contre l'antisémitisme, c'est la manifestation qui a lieu aujourd'hui en soutien au peuple palestinien, parce que ce qui nourrit l'antisémitisme, c'est la prétention du sionisme de parler au nom des Juifs du monde entier. Ce qui menace les Juifs du monde entier, c'est d'être assimilé aux oppresseurs et aux assassins de l'armée israélienne. La seule issue conforme aux intérêts de tous les peuples, c'est l'unité des travailleurs et des jeunes, l'unité en particulier des Juifs et des Arabes dans une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine. La seule issue en France, c'est l'unité des travailleurs et des jeunes de toutes origines pour en finir avec le gouvernement Macron, gouvernement de guerre, gouvernement de misère, gouvernement raciste et de discrimination. Nous reviendrons, camarades, aussi longtemps que c'est nécessaire, mener ce combat dans les manifestations, dans les grèves, dans la lutte de classe. Il faudra bien en finir avec l'oppression qui frappe le peuple palestinien. À bas l'oppression, à bas l'exploitation.